Salut les Nakama! Alors aujourd'hui, c'est la vidéo présentation de la chaîne, de notre chaîne. Donc tout d'abord, moi je me présente, c'est Sidou. J'ai la trentaine et j'habite sur Paris. Je suis fan d'arts martiaux, d'animés, de mangas, de jeux vidéo, d'histoire, de musique, de danse, de mode, de la culture en règle générale et toutes les cultures du monde entier, pas seulement françaises, notamment japonaises, en tout cas asiatiques, j'aime beaucoup. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous partager un petit peu toutes mes passions, tous mes hobbies, tous nos hobbies, parce que je ne suis pas tout seul, il y a aussi ma femme qui est derrière la caméra, qui elle est japonaise et qui pourra rapporter un plus à mes propos, à mes dires, à mes actions aussi. Donc qu'est-ce qu'il y aura sur cette chaîne? Avant tout des arts martiaux, en tout cas venant de ma part. Donc basé sur mon expérience. Donc de l'aïkido, du judo, de la boxe anglaise, de la boxe thaï, du karaté, un peu de kung fu, tout ça lié, mélangé. Et du côté des armes, le kendo, le kenjutsu, le yaido, le batodo, le batojutsu, qui m'ont permis à moi aujourd'hui de synthétiser tout ça et d'en faire mon style. Donc je ne prétends pas faire partie d'une école particulièrement. Je n'aime pas les étiquettes ni faire partie d'un groupe. Je suis moi. Et ça le restera jusqu'à la mort. Donc on va parler donc d'arts martiaux, mais aussi de philosophie, via les écrits, via certains auteurs, comme notamment Miyamoto Musashi. On va parler aussi d'histoire, que ce soit par rapport aux samouraïs, les ninjas, les différentes royautés, ou les différents royaumes. L'art de vivre japonais, tout simplement. La culture en règle générale. La façon de penser. La façon d'agir. La musique, bien sûr. Les animés. Les mangas. Les jeux vidéo. Les films aussi. La gastronomie, bien sûr. La nourriture. Qui n'aime pas les sushis? Mais pas que. Ça peut être les ramen, ça peut être le bœuf. Ça peut être plein de choses. Le riz, tout simplement le riz, le bon riz, bien cuit, façon japonais. On vous le montrera prochainement dans une vidéo. Comment faire cuire du riz dans une casserole à 2 euros, avec juste du bon riz, ou du riz asiatique, et un petit peu d'eau. C'est tout. Pas besoin d'acheter d'autocuiseur à 50 euros. La mode, bien sûr, parce que la mode japonaise me plaît beaucoup. Elle inspire le monde entier. Elle l'a toujours inspiré et elle continuera. Tout comme la mode italienne ou la mode française. Et comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup les habits traditionnels, donc les kimonos, les haori. Tout ça me convient parfaitement. Donc nous allons aussi parler de jardinage, de fleurs traditionnelles japonaises. Donc il y a les cerisiers, mais pas que. Donc justement, Yukai, elle va vous apprendre un petit peu à découvrir d'autres plantes qui sont traditionnelles chez les Japonais. Et vous apprendre un peu les techniques japonaises de conception, de composition de bouquets. Que ce soit dans un pot ou juste un bouquet, je dirais fait un petit peu plus à la européenne. On va parler aussi d'artisanat japonais. Parce que l'artisanat, c'est très important, c'est la base de tout. Et donc on va parler de poterie, on va parler de création de papier, on va parler aussi de dessin, on va parler aussi d'habits, on va parler aussi de katana, on va parler aussi de menuiserie, d'architecture. Donc tout un tas de choses qui fait que le Japon vit encore avec cette culture, j'irai un petit peu à l'ancienne. J'espère que toutes les vidéos qu'on a préparées pour vous, toutes les idées qu'on a,
pour cette chaîne vont vous plaire. Et comme je vous l'ai dit, il va y avoir de plus en plus de vidéos sur le sujet, sur mon art. Donc je vous invite à vous abonner et rester branché, de mettre la petite cloche. Et on se dit à très vite.